Bonsoir, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à ce moment pour faire le compte rendu de cette soirée. On était à la fête des Congolais, vous savez, depuis le 11 janvier 2020, nous ne sommes pas vus. Nous ne sommes pas vus parce que le corona est venu nous coincer dans nos chambres. Nous sommes restés coincés plus ou moins une année et demie. Et alors, aujourd'hui, que l'occasion s'est présentée, les Congolais et les Congolaises se sont croisés. Ils ont mangé, ils ont fêté, ils ont partagé des valeurs culturelles avec les communautés partenaires. Voilà, dès qu'il y avait la communauté de la République centrafricaine, du Congo-Brazza, du Mali, du Burkina, du Madagascar, du Canada. Plusieurs nationalités sont venues se joindre à la communauté congolaise pour danser, manger ensemble. Alors, il y avait des événements très très importants. Les jeunes congolais ont démontré de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Il y avait de la musique. Il y avait la danse, il y avait de l'exposition et l'exposition de Sophie Tati. Sophie Tati nous a touchés par son sens élevé du patriotisme. En fait, elle a fait l'exposition sur « Je suis Goma ». Tout le monde est sans ignorer qu'à Goma, il n'y a pas longtemps, je crois au mois de mai, il y a eu l'éruption volcanique. Le volcan s'est déchaîné sur une partie de Goma et ça détruit presque toute une ville. Alors cette fille, très ambitieuse, pleine de patriotisme, a consacré toute une exposition à ce sujet. Ça nous a vraiment touché. Ça montre la suffisance que nous, Congolais, peu importe où nous sommes, à l'étranger, en Chine, partout dans le monde, nous sommes Congolais, nous sommes attachés à notre patrie, nous sommes attachés à notre nation. Lorsqu'un malheur, un problème arrive aux Congolais, ça touche tout le monde. Et donc, ça montre la suffisance que cette fille est vraiment patriote. Alors, nous avons aussi été avec les dames et messieurs des membres de notre mission diplomatique qui sont venus partager avec nous. Ce sont des Congolais comme nous. Nous, la majorité étudiants, plus les diplomates, nous avons fêté, nous avons mangé, nous avons dansé en compagnie de nos camarades et nos amis de différentes nationalités, au rang desquels même il y avait des Chinois. Et donc, c'était un moment très exceptionnel. Je crois que nous souhaitons vraiment que le coronavirus ne vienne pas nous empêcher. Sinon, dans les jours à venir, nous prévoyons faire plus mieux que ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est particulièrement congolais, bien que nous avons invité les autres partenaires venir fêter avec nous. Mais ce que nous comptons faire, ça sera fait au niveau africain. Ça veut dire que les différentes communautés africaines, la communauté du Mali, du Burkina, du Congo-Brazzaville, de la RDC, du Tchad, du Bénin, tous ces pays-là, nous allons nous rencontrer, nous allons organiser une activité culturelle continentale. Et donc, vous pouvez être en attente que ça aura lieu. D'abord, ça commencera par une conférence que nous allons faire en ligne sur les indépendances des pays africains, que nous pensons que depuis que les pays africains sont indépendants, ils ont déjà fait un long trajet. Il y a eu du progrès, mais il y a plus de ratés que de progrès. Nous, en tant que jeunes, nous, en tant que leaders de demain, voyons ce qui se passe en Chine, voyons comment le monde évolue, nous voulons réfléchir entre nous, jeunes, relever tous les problèmes, sur le bas des problèmes qui existent, et en comparaison avec l'expérience et la réussite chinoise, nous allons proposer des pistes de solutions que nous allons soumettre à l'Union africaine. C'est ça notre façon, en tant que jeune intellectuel évoluant en Chine, étudiant dans les universités chinoises, les meilleures même. Donc c'est comme ça que nous allons participer à l'effort de notre continent. Et après que nous ayons fini de faire tout ce travail-là, nous allons proposer un cahier des charges, nous allons proposer nos pistes de solutions aux représentants de l'Union africaine pour qu'au niveau de l'Union africaine, ils puissent implémenter ce que nous allons proposer comme piste de solution dans les différents pays selon. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'essentiel de cette soirée et je vous remercie.